Salut tout le monde, c'est Pixie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de Galactica. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, eh bien, ça va super. Donc, j'ai fait une petite pause dans mon tournage. J'avais tourné beaucoup d'épisodes d'un coup, et du coup, voilà, j'ai fait une petite pause. Donc, aujourd'hui, c'est reparti. Je n'ai pas vérifié dans le coffre s'il y a un message, mais je ne crois pas. On va quand même vérifier comme d'habitude. Voilà, j'ai pas avancé la maison, tout ça. Alors, oui, alors aussi, j'ai vu tout à l'heure, par contre, en jetant un petit coup d'œil. Une structure apparaître. Donc, c'est pas une structure normale. Regardez ce que c'est. C'est un magnifique bateau. On ira le visiter aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est assez étonnant. Tu peux te relever, mon petit chien. Tiens, viens. T'as faim. C'est assez étonnant de voir des bateaux, de voir de la vie, surtout ici, parce que, enfin, si on a beaucoup de vie, mais je veux dire, pas beaucoup de gens humains, en fait. Donc, vérifions ça. Ah bah, ah, c'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. Ok. Parce que du coup, il n'y a plus l'enveloppe, comme on a vu. Ça a dû envoyer, et lui, il s'ennuie tellement qu'il répond très très vite. Donc, eh bien, bien reçu, on va nous voir. Donc, ça va être une petite séance de lecture, il y a 7 pages. Donc, si ça vous plaît, si vous n'aimez pas trop la lecture, vous pouvez avancer un peu dans la vidéo. Et voilà, il va falloir que... je vais lire, il va falloir comprendre. Bonjour, j'ai bien reçu ton enveloppe, et aujourd'hui, je vais devoir te... Pas... Je vais devoir beaucoup pas... Beaucoup... Je vais devoir beaucoup te parler. Déjà, eh bien, c'est vrai, je ne t'ai pas tout dit. Quand tu as dû quitter ton monde à cause de moi, j'étais seule dans ma résidence. Mais là, la police m'a trouvée, alors je suis partie ici. Ils m'ont cherchée dans l'espace et le temps, et ils ont fini par me retrouver. Ils m'ont emmenée à cette prison et j'ai dû m'y échapper, car tu as atterri chez moi. J'ai payé une brute pour qu'elle m'aide à sortir, mais ils se sont fait prendre et je me suis enfuie comme un lâche. Je ne pense pas que s'ils me trouvent, ils seront gentils avec moi, tu vois. Alors je suis partie loin pour plus... qu'il ne me retrouve en direction de ma machine. Mais elle n'était plus là. Ce satané Weezer l'a détruite. Alors, fou de rage, je me suis attaqué à lui et la suite, tu la connais. Je suis désolée, je ne voulais pas t'embrouiller avec toutes mes histoires. J'ai très faim. Il ne me donne quasiment rien à manger. Mais tu as trouvé une des têtes, bravo. Une des têtes, bravo. Pour ce qui est des têtes de squelettes, tu peux m'en envoyer. En fait, j'ai rien de cellules et je crois que c'est un psychopathe. Mais je crois que si je lui donne une tête, il pourra me donner quelque chose en échange que je pourrais t'envoyer pour t'aider. Et pour ta téléportation, c'est le crâne de Weezer qui faisait ça. Il arrive à téléporter des personnes à des endroits glauques. Donc fais très attention. Pour ce qui est de la prochaine tête, elle est... Oula, le Weezer m'a vu écrire. Donc c'est un long livre. Donc encore le Weezer l'a chopé. Faut qu'il fasse plus gaffe là parce qu'il est trop dans... Il est trop immersé, immersier, immer... il est trop dans l'immersion de son livre. Du coup, à chaque fois, il remarque jamais le Weezer. Donc, ouais, les têtes, on pourra lui renvoyer. Alors, pour ce qui est de la prison, tout ça, je lui en veux pas trop, même si bon, il a enfreint les règles. Je sais pas, il doit avoir une raison. Je sais pas, il nous a toujours pas encore tout dit, mais bon, voilà. Donc, je vais ranger ce livre dans les coffres. J'ai bien le son du jeu. Oui, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi mon Minecraft lag plus que d'habitude. Je sais pas. Tout à l'heure il a crash tout ça donc j'ai pas trop compris. Bon tant pis. Alors, voilà, on va placer du coup bien reçu à la suite. Ok. Alors il y a toujours ce livre mystérieux là qu'on n'a toujours pas résolu. Bah si, il nous l'avait dit, mais trajectoire météorite, Maïtera, se conclut pour examiner l'espèce. Ouais, c'est quand même bizarre. Donc eh bien on va aller voir ce petit yacht. Ce petit yacht, ce petit bateau. Pas trop comment ça, comment je pourrais appeler ça. Déjà, on va l'examiner. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur ce bateau? Attendez, moi, je vais mettre du profil comme ça pour une belle miniature. Déjà, on voit des trucs d'Orton. On voit une vache dedans. Attention, il y a une vache. Très bien. Et ouais, il y a des trucs d'Orton. Il y a la bibliothèque. Bon, on va voir. J'espère qu'il n'y a rien de bizarre qui nous attend là-bas. Oula, moi, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Excusez-moi. Ok, bien, c'est parti, on va voir. Tu veux venir, mon petit rookie? Viens, si tu as envie. Alors, par contre, comment je vais remonter? Oula, il y a une poule qui est coincée, on va la sauver. Sauvons la poule. Viens là. Donc, on voit pas du tout cette structure, de toute façon, parce qu'elle est belle. Non, je voulais pas faire ça. Ouah. Du coup, je vais à l'intérieur. Viens juste reposer. Non. Voilà, parfait. Donc toi, je voulais prendre toi la poule, arrête de bouger. Stop de bouger. Purée.
C'est pas possible. T'es vraiment exécrable, la poule, là. J'aimerais bien. Je vais faire bien les choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me pousses dans l'eau. Je voulais te remettre la laine à sa place, là. Tu sais quoi? Meurs. Voilà, tiens. Meurs, meurs, voilà. Meurs, meurs, meurs. Prends des dégâts, souffre. Voilà. Du coup, comment je vais faire pour aller ici? Ah, Rookie, t'as trouvé quelque chose? Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose? Ah oui, il y a une entrée. Oh non! Viens là. C'est bon, ça va, ça va. Ok, il est en train de se noyer. Je sais pas où est-ce que je. Ouais, reste là, bouge pas. Attends, il va se faire emporter par le courant. Voilà, reste là. Alors, pour monter. Ça va être très simple. Voilà. Ok, donc il y a des coffres. Avec rien dedans, ok. Ça a l'air inhabité. Alors. Oh, Ginette! Bonjour Ginette, qu'est-ce que tu fais ici, ma petite Ginette? Bah, c'est peut-être une vache de quelqu'un alors. Il doit y avoir quelqu'un ici. Ah, des blocs de fer. Je prends. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Il y a des blocs de fer au milieu, c'est trop tentant, hein. Voilà. D'accord, il n'y a rien. Y a une bibliothèque. Ah, et puis un petit livre. D'accord, ok, bon, ça va. Croisière. Voyons voir. Waouh, il y a une maison en construction là-bas. Il doit y avoir de la vie, tu crois pas? Mais t'es fou, ça pourrait être quelqu'un qui nous veut du mal. Il faut partir vite d'ici. Oh, ça va. Non, pense à la créature à trois têtes de la dernière fois. Elle a failli nous choper. Ah, mais. Non, il n'y a pas de mais. Le moteur est cassé. Quoi? Il faut vite partir. Tu as les canots de sauvetage? Oui, toujours. Alors allons-y vite. Et Ginette? On n'a pas le temps, vite! Et donc, n'ayez pas peur, les gars, oh! C'est juste moi. Faut pas avoir peur comme ça, faut pas délirer. Il y a plein de petits endroits cachés, donc je vais récupérer les bibliothèques. Ah, d'accord. Donc, en fait, pour rentrer par là, il y a une petite poule, d'accord, ok. Je vais reboucher parce que, comme c'est pas très très joli. Donc, un très beau bateau. Merci, les gars, pour votre bateau. Je sais pas si vous viendrez le récupérer un jour, mais. Y a pas de quoi. Un chaudron, non, c'est bon, pas les là, je n'ai pas spécialement besoin. Ok, bah c'est cool. Du coup, ça nous fait un autre petit point de. Petit point de d'espionnage pour espionner les minerais, je sais pas. Donc, du coup, Ginette, viens, tu m'appartiens maintenant. Ginette, c'est la deuxième mascotte maintenant. Ça va, Ginette? Du coup, où est-ce qu'on pourrait la mettre? Du coup. T'es abandonné, on va pas te laisser abandonner comme ça. Hein. Puis les autres vaches, elles savent comment on fait. Toi, tu sais pas trop, je pense, vivre dans la nature. Ça n'a même pas eu quelques petits cœurs de. Donc, je sais pas où est-ce qu'on pourrait te mettre. On va pas t'attendre avec les autres vaches quand même. Sais pas trop où te mettre. C'est quoi, je vais te mettre dans la fusée pour le moment. En train de trouver un endroit où te mettre. Ma petite Ginette, sois pas jaloux, Rookie, t'inquiète pas. Ah, ça va être compliqué d'arriver à rentrer là. Ok. Non! Bon, attends, on va détruire la porte pour le moment, on va la remettre après. Hop. Surtout, n'appuie sur aucun bouton, ma petite Ginette, hein. Voilà, je viens de te donner à manger tout à l'heure, ok? Voilà, notre nouvelle petite compagnon, Ginette. On l'a trouvée dans un bateau abandonné. Voilà. On aura peut-être fait du temps des petits compagnons, comme ça c'est toujours sympa. Bon, après, je sais pas trop où on pourrait les mettre, mais on va trouver un endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un petit peu, enfin, la nourriture, tout ça, pour pouvoir donner un petit peu à Ginette. Du blé, oulala. Là là. Oulala, là, ah non, c'est bon. Ça laguait, mais en fait non, ça laguait pas. Donc allons voir si ça a poussé. Alors, ça n'a pas tout poussé. Hein, mais franchement, je trouve vraiment super bon entre les montgolfières, les bateaux là-bas. Bon, faut qu'on finisse la maison, mais. Ok, donc je vais replanter le blé.
Pousse-toi le chien. Voilà, parfait. On va récupérer le raisin alors du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce raisin du coup? C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Faire des donuts au raisin. Salade de fruits. Avec tous les fruits. Ah, oh, banane. Où est-ce qu'on a des bananes? Un verre, donc du faire du jus de raisin. Et faire de la glace au raisin. D'accord. Et comment faire un verre? Comment est-ce qu'on fait un verre, s'il vous plaît? Ah, d'accord, comme ça. Donc pourquoi pas se faire un petit jus de raisin après, hein? Même si on peut pas le manger, c'est toujours sympathique d'avoir de la nourriture. Puis je vous rappelle qu'on doit avoir le plus de nourriture possible. C'est un objectif avec ce mode. Donc voilà, on va devoir faire une salle de nourriture. Je sais pas trop ce qu'on commence à comment on va faire, mais un truc dans le genre. Ça c'est quoi déjà? Ah d'accord, c'est des tomates aussi, mais elles sont pas finies de pousser. Ok. Autant pour moi, excusez-moi de vous avoir enlevé de là. Le chien, hein, je crois qu'il est descendu. Ok. Et avec les tomates, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire. Oh, de la pizza! Ah, j'ai qu'un fromage. On avait trouvé dans la prison du fromage. Faudrait que j'en trouve d'autres. Il faut un seau de fromage pour faire du fromage. Comment faire ce fromage? Faire chauffer du lait. Moi, je dis aujourd'hui, on fait de la pizza. Aujourd'hui, on fait de la pizza. Faire plein de trucs, on peut faire vraiment beaucoup de trucs. Bon, vous savez quoi, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec la nourriture. Je pense plutôt qu'on va finir la maison la prochaine fois, comme ça fait pas que finir la maison tout le temps. On va s'occuper un peu de la nourriture. Donc vous voyez là, ça lag, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a, pourquoi ça lag comme ça. Regardez, je vais faire une ellipse et puis je vous retrouve juste après. Ok, heureux, bon bah j'ai pas trop réussi, mais bon. Tant pis. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va dormir. Hop. Ah oui, j'ai récupéré des lits là-bas, super. Bah, du coup, je peux faire mon double lit. Hop, parfait. Mon petit double lit, parfait, parfait, parfait. Hop, allez, vas-y, fais dodo. Ok, super. Ah oui, j'ai de la poudre à canon. Juste ici. Et l'enclume. Où est-ce que j'ai eu cette enclume? Je sais plus. On va la ranger. Hop. Ah, peut-être là, oui, parce que j'en avais 10, je me souviens. Ah oui, les blocs de fer, on peut les transformer. Hop, 27 fer. Parfait, hop, 45. La petite poudre à canon. Ça fait aujourd'hui donc 24 jours qu'on est ici. Du thym. J'ai fait faire chauffer du thym. On se souvient pas. Alors, la petite croisière. Hop, on va la placer ici. Les livres. On va les placer là. Les seaux, je vais en avoir besoin des seaux. Alors j'en fasse. Les graines de blé. Placer là. Ah j'ai déjà des notes au raisin, c'est cool ça. Ok. Un bateau, bah, je vais le mettre ici. Puis après le reste je vais le garder parce que ça va me servir à faire quelques petits trucs. Donc pour faire déjà, donc j'aimerais bien faire la pizza. Pour faire la pizza, il me faut donc du coup 3 fromages. Après le reste, je l'ai. 3 fromages. Hop. Pour faire un fromage, il nous faut du coup un seau de fromage. Et pour faire un seau de fromage, il faut du lait. Faire chauffer. J'ai besoin de 2 laits, ça tombe bien. J'ai 2 seaux, parfait. Du coup, ma petite Ginette, tu te profites pour te donner à manger. Et puis en plus, du coup, pour te prendre du lait, si tu le permets. Hop, donc tiens, hop, voilà. Super. À manger et puis du coup je vais prendre ton lait. Hop, hop, merci beaucoup ta participation, merci merci merci. T'inquiète pas, je te ferai une plus belle maison, une plus belle maison, peut-être pas une maison mais un petit truc sympathique. Hop, du coup on va le faire chauffer tout de suite. Du coup je sais pas, hop, et oula. Ça donnait un seau de fromage. Parfait. Oh, c'est assez bizarre hein, quand même. Regardez mon seau de fromage. Magnifique. Je peux le mettre ici et donc avoir un fromage. Parfait. Ah, et ça me redonne le seau. C'est parfait. Du coup, j'avais déjà un fromage alors je l'ai mis là.
Ah, c'est cool que ça me donne le saut. C'est super bien fait. Voilà, donc, maintenant. Deux blés. Donc, les deux blés, je les ai. La tomate, je l'ai. Et la côtelette de porc, je crois pas. Mais on peut toujours aller la chercher. Très simplement. Par contre, les fraises, c'est moi ou j'ai oublié d'en planter? Je sais plus comment on fait pour planter des fraises. De la fraise. Enfin, je crois que c'est normal. Enfin, je crois qu'il faut la mettre dans la terre, je sais pas. Ah oui, biscuits pour chien, on va essayer sur Rocky. Alors oui, donc il fallait, ouais, il fallait des côtelettes de porc cru, j'en ai pas. Le chien, oula. Le chien, est-ce que tu manges ça, un petit biscuit? Ça m'étonnerait. Ça a des goûts assez spéciaux, toi. Non, tu manges pas. Bon. Je vais te le balancer comme ça, hop, tu manges. Non, je vais le garder. Je vais le garder, on sait jamais. Oui, il faudra tuer un cochon. Alors le petit problème. Ah mais ça va, j'en ai trois. Il me semble que j'en ai trois. Oui, c'est bon. Désolé, un de vous va mourir aujourd'hui. Oh non, c'est vrai, j'avais oublié. Oh non. J'avais oublié ce petit détail. J'ai une failure aspect. J'avais totalement oublié. On va en trouver un autre. On va en trouver un autre, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein dans le coin. Ah bah la map à remarche, d'accord. Ok, on va le bugger un petit peu. Parfois, elle est là. Ok, c'est bon, je l'ai. Je vais pouvoir eh bien le remettre. Enfin, faire la petite pizza qu'on ne va pas manger, qu'on va exposer. On va l'exposer parce que là, c'est très très joli d'avoir une pizza. Faudrait qu'on se fasse genre un garde-manger. Avec une salle de garde-manger. Et avec comment ça s'appelle? Bibliocraft, qu'on mette des étagères et qu'on mette tous nos aliments. Ça sera juste super. Genre pizza, tout ça. Franchement, ça serait cool. Hop. Je pense que je tournais quelques épisodes à l'avance, donc pourquoi pas faire ça juste après. Ah, ça bug encore vers là-bas. Peut-être faire ça quand on aura fini la maison. Je vais peut-être faire juste un toit normal, je sais pas pour le moment. Ok. Donc là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, je crois. Il faut une tomate là. Fromage et non, c'était pas du raisin, c'était quoi déjà? Ah, oui, c'est ça, oui, je suis allée la chercher et j'ai 8 pizzas. Oh, c'est trop bien! C'est de la pizza. Bonjour, bonjour, je suis livreur de pizza. Hop, je vais pas la manger, bien évidemment. Du coup, pour le moment, on va la stocker ici. Alors, après, avec le raisin, je peux faire du coup ça. J'aimerais bien le faire aussi parce que j'ai du sable, je dois en avoir normalement. Ou du verre, je sais pas. A priori, non. Non, j'en ai pas. Ah, peut-être, c'est peut-être que j'ai des verres, je crois. Il me semble que j'ai des verres. Quelque part. Non. Non, je dois pas avoir. Ah, c'est peut-être ici dans la potion. Non. Ok, bon, bah, je vais aller en chercher. Un petit peu de sable, hein. Il faut pas beaucoup. Là, il en faut 3, je crois. Il en faut. Ouais, 3 vitres, oh, donc ça va. Du coup, je vais faire ça pour le raisin et pour la tomate. Ok, donc peut-être l'épisode sera un petit peu plus long qu'avant. Enfin, que les derniers épisodes, parce que voilà, j'avais envie de faire un épisode un petit peu plus long. Je sais que ça peut être chiant des fois de se dire, oh, il y a certaines vidéos, ah, mais elle est pas super longue. Donc cette fois, hop, je fais un épisode bien long. Pas bien long. Pas non plus énorme, hein, parce que je suis toujours en vacances normalement. Mais voilà. Alors, attendez. Si je me trompe pas, je peux faire du vert comme ça. Magic Arena Block. Hop. Et donc après, je peux faire du vert, de la vitre, et après avec la vitre, cap ou vert. Ok. Voilà, parfait. Hop, on peut revenir sur notre petit pont. On remonte tranquillement. Comment va Ginette? J'espère qu'elle a bien mangé. Est-ce que ça, elle a repris des cœurs? Ah oui, non, elle a pas repris de cœur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas en fait, je sais pas trop en fait comment ça marche les animaux, si ça reprend de la vie ou quelque chose du genre. Ok, pardon, Rocky t'avoir enfermé.
Voilà, ok. Du coup, faut juste attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec les tomates? Faire des pâtes à la sauce tomate. Comment je fais des pâtes? Ah, il faut du maïs. Du maïs, je sais pas, je crois pas en avoir. Je crois que j'en avais. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Je sais plus. Je sais pas du tout où ça se trouve, donc là. Là, va falloir attendre. Ouais, du coup, on peut que faire ça. Avec la tomate. Ouais. Après, on peut faire un jus de tomate, hein. Genre, on peut faire des glaces au chocolat, tout ça. Du chocolat, comment on en a? Je sais pas comment on ferait. Fève de cacao, d'accord. C'est trouvable, il faudrait trouver une jungle, mais ok. Chocolat piment. Chocolat au piment, ça existe ça? Je savais même pas que ça existait du chocolat au piment. D'accord. Peut-être pas de lunettes de soleil, il commence un petit peu à faire chaud aujourd'hui. Oh yeah, regardez la classe. On dirait juste un gros binoclard, tu sais. Mais non, ça c'est moi, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, tu restes comme ça. Ok, allez-y, chauffez les petits verres. Là, j'attends que vous pour faire le petit petite coupe. Et puis après, on s'arrêtera là. On va faire de la coupe de tomates et de raisins. La prochaine fois, on finira le toit de la maison. Parce qu'en fait, je tourne encore à quelques épisodes pour pouvoir assurer après qu'il y en ait. Donc, on fera le toit de la maison. Et puis on fera sûrement, j'essaierai de faire un garde-manger. Genre là, il y aura une salle qui partira peut-être hiver ici ou je sais pas où. On fera un garde-manger, je sais pas. On verra comment on va faire. Voilà, là je peux normalement, si je me trompe pas. Voilà, super. Et ça m'en fait deux, parfait. Du coup, un petit truc de tomate et un petit truc de raisin. Du jus de raisin, du tomate, et je peux pas faire autre chose. Faire du jus de fraise. Je pense que c'est possible, j'en ai pas déjà là. Ah, j'avais déjà fait du jus de tomate. D'accord. D'accord. Faire du jus de. Une glace à la pomme. Ah ouais, mais non, mais il me faut des boules de neige. What? Thé. Je vais faire du thé. Ah, trop bien. On va en faire. En faire avec tout, avec tous les, avec tout ça ce que j'ai, je pense pas que ça va me servir, donc on peut en faire large. Hop, un petit peu de thé et du coup un petit truc à la fraise. Ah mais on peut pas, je vais même pas remarquer, mais on peut pas. Bah, c'est pas ça bizarre, jus de fraise ça existe, enfin du sirop, je sais pas. Ok, bon bah voilà, je peux replacer un petit peu tout ça du coup. Vert, hop, on va, du coup je vais ranger tous les petits trucs. Je vais mettre les biscuits pour chien, côtelettes de porc cuites, on va les mettre là. Je vais remettre mon casque parce que les lunettes sont horribles. Hop, le lit, on va le mettre ici. Le thym là, et puis avec la cobble qu'on va mettre. Juste ici, voilà. Je remplirai le seau la prochaine fois. Parce qu'il faudra que je remplisse un seau quand même d'eau. Hop, et hop, voilà. Bon, voilà, écoutez, c'est fait tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il aura été un petit peu plus long que d'habitude. Pour les vacances, sinon c'est un épisode normal, hein. S'il vous a plu, si vous avez des petits conseils sur ce mode, donc je crois que c'est plus d'aliments, je crois qu'il s'appelle. N'hésitez pas à lâcher un petit like et puis à me donner des coups et vos astuces dans les commentaires, hein. Et puis du coup, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.